Salut! Bonjour à tous, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Il est 8h30, nous sommes le 12 mars, le vendredi 12 mars. J'ai pris la caméra aujourd'hui pour vous montrer une journée un petit peu dans moi. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Je suis actuellement en télétravail et en même temps je gère mes cours. Donc là c'est ma partie télétravail et là c'est ma partie perso. Donc tout ce qui est cours et vidéos YouTube. Et voilà, là je suis en train de prendre un petit déjeuner. Comme vous pouvez voir, c'est très succinct. Hein, je ne mange pas comme ça d'habitude. Même souvent je ne mange pas du tout. Donc là ouais, donc là il y a un Kinder Cards et une banane que j'étais en train de manger et un chocolat chaud. Donc voilà, en fait j'essaye de manger les choses qui me font le plus envie et plaisir le matin pour que j'ai moins de pulsions dans la journée. Tout simplement, donc là c'est un conseil aussi du centre où je suis suivie. Donc voilà, donc là je vais prendre mon petit déjeuner et puis ensuite je vais aller me laver et puis commencer à bosser un petit peu, ce serait cool. J'ai pas énormément de choses à faire aujourd'hui parce que j'ai pris beaucoup d'avance dans la semaine. Donc du coup ça va être un vendredi un peu tranquille et aussi je vais prendre un peu de temps pour faire du rangement un peu plus tard dans la journée parce qu'on a des amis qui viennent demain et ce sont des amis qui nous ont aidés à faire la peinture et à déménager. Et donc du coup j'aimerais bien leur montrer une maison à peu près rangée parce que là vous le voyez pas mais c'est le bazar total. Regardez ça, c'est le bordel. J'ai trop honte. Donc voilà, donc ça c'est une journée un petit peu typique. Et si jamais je fais une crise je vous le dirai, mais je pense pas parce que là je suis dans un bon mood. Depuis hier en tout cas je vais bien, donc voilà. Et puis j'ai super bien dormi. Bon alors j'avais une visio ce matin et j'avais complètement oublié. Merci, j'ai eu le rappel du logiciel de visio. Donc du coup là je vais aller me doucher quand même parce qu'il est je ne sais pas quelle heure, il doit être 10h30 je crois. Et donc du coup je vais mettre une petite robe aujourd'hui, des petits dressings. Alors là je vous montre la partie rangée, hein. Je ne vous montre pas la partie pas rangée. Enfin si, je vous l'ai montré du coup. Et du coup je sais pas trop comment m'habiller, j'hésite entre une robe et un pantalon, mais je crois que je vais mettre une robe un peu cosy, j'en sais rien parce que ça caille quand même, hein. Donc mine de rien on n'est pas peut-être si je mets un pantalon, vous voyez un petit baggy comme ça avec, c'est vraiment pas facile de s'habiller quand on est ronde, vraiment pas facile je trouve. Donc il faut aller, je sais pas ce que ça fait là. Il faut allier, faut réussir à allier les couleurs, les motifs. Donc on va essayer de faire ça bien, mais c'est pas évident, hein, mine de rien. Hop. Allez, go à la douche et je vous retrouve après. Bon, me voilà maquillée, lavée, c'est trop important, j'ai le détail le plus. Voilà, téléphone de travail, excusez-moi. Okay, j'ai encore mouillé, mais je les laisse sécher à l'air libre. J'utilise pas trop le sèche-cheveux parce que j'ai peur que ça me les abîme tout simplement.
Voilà. Et donc là, je vais enchaîner, je vais finir les quelques mails que j'ai à faire et ensuite je vais me mettre à travailler un petit peu les mathématiques et le français. Donc là, il est actuellement 10h30, donc je vais travailler, finir de bosser et puis après on se retrouve pour le déjeuner. Voilà. Pour que je vous montre un petit peu ce que je prépare le midi quand je ne suis pas en période de crise. Parce que quand je suis en période de crise, il n'y a aucun intérêt puisque c'est n'importe quoi et c'est pas de la vraie cuisine. Bon, il est actuellement midi 23, j'ai trop faim. Donc je vais aller faire à manger de ce pas. Il fait un temps trop beau dehors. Tu vas aller te balader? Oui. Tu vas aller te balader? Agnor. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un petit chat. Bonjour. Bonjour, mon amour. Tu es d'une beauté. Bon, allez, c'est parti pour le repas du midi. On va faire des falafels au pois chiche de chez Erta. Je les fais. Ça m'arrive de les faire. Enfin, ça m'arrive plus souvent de les faire que de les acheter. Sauf que quand on est en télétravail comme ça, on n'a clairement pas le temps à perdre pour faire le déjeuner quand je n'ai pas préparé le dimanche. J'essaie de faire des meal prep, mais c'est très compliqué de passer 2 heures dans la cuisine le dimanche quand on n'a pas beaucoup de jours de repos. Donc, mais bon, on va faire ça et avec on va faire des pâtes, donc des falafels, des pâtes, et je vais faire une sauce tomate avec des légumes. Là, je suis en train de faire des aubergines et des oignons, comme vous avez pu voir. Je vais rajouter quelques tomates que l'on a, qu'on avait surgelées. J'ai rajouté des haricots verts et de l'ail pour que ce soit un peu plus goûtu et un peu plus garni en légumes quand même. Histoire de dire que... Voilà. Et je regarde en même temps The Bold Type sur Amazon Prime. Pour les falafels, du coup, je les mets dans une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive dans une poêle chaude. Voilà, rien de très compliqué. Tac, tac, voilà, voilà. Et donc, du coup, ça, c'est les falafels de chez Erta. Ça a l'air tellement bon. Donc, j'ai rajouté la sauce tomate, là, pour mes falafels. Et en fait, ça fera comme des boulettes de bolognaise, sauf que c'est végétarien. Bon appétit! Bon, le déjeuner étant terminé, nous allons pouvoir nous attaquer au reste des cours et au reste de l'après-midi et au rangement. Et je vais vous prendre avec moi, évidemment. J'ai pris encore un petit Kinder pour mon dessert parce que j'ai pas pris de dessert. Et comme cette vidéo doit être 100% honnête et ne rien cacher de ce que je mange, voilà, je préférais le dire et peut-être que s'il ne pleut pas, j'irai refaire du sport sur les machines extérieures qu'il y a en bas de chez moi. Donc ça pourrait être sympa tout à l'heure après le boulot. Bon, clairement là je suis grave dépitée. Attendez, je vous montre. Le soleil est ressorti il y a à peu près une demi-heure et je me dis bah je vais aller me préparer pour aller faire mon sport. Voilà. Magnifique. On est au mois de mars, les amis. Oui, c'est le mois de mars. Et c'est chiant parce que vous voyez au fond là, il y a le soleil. Mais si je sors, si je me fais mouiller, sachant que c'est dehors. Donc du coup, eh ben, on va remettre la séance à une prochaine fois, c'est pas grave. Bon, vu que je vais pas pouvoir faire du sport, je vais faire un peu de rangement. Donc c'est parti, voilà, je vous prends un petit peu avec moi en accéléré. Peut-être que ça va vous détendre de me voir ranger, j'en sais rien. En tout cas, ça va me faire bouger un petit peu et ça c'est cool.
actuellement 19h43 et j'ai fini de ranger mon bureau. Je vais vous montrer si ça vous intéresse. Donc voilà, tout est rangé, il n'y a plus rien qui traîne, je suis bien contente. Hop, voilà ma partie lithothérapie là. Oh, il fait tout noir. Attention les yeux. Hop, hop, hop. Alors ce soir, on va faire des œufs cocottes. Donc en fait, ce sont des œufs cuits au four. Les miens, je vais les faire avec des champignons. Ensuite je vais les mettre au four et puis on va manger et moi je vais me poser tranquillement. En tout cas ça m'a fait très très plaisir de faire cette petite partie de journée en filmant parce que bah, comme je vous disais ça me redonne confiance. Bizarrement c'est étrange mais c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais j'ai fait une crise, vous en faites pas, je vous le dirai en commentaire. Mais sinon là j'arrête là parce que je suis fatiguée et j'ai encore le montage à faire de cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et puis jusqu'à la prochaine, prenez bien soin de vous. Bye bye!